Maman a acheté 6 kilos de fruits au marché. Un tiers sont des poires, un quart du reste sont des coings. Les autres fruits sont des pommes. Combien de kilos de pommes il y en a? Faisons un schéma. Ici, je représente tous les 6 kilos. Les 6 kilos de fruits. Un tiers sont des poires. Donc je partage tout cet entier en trois parties égales. Une, deux, trois. Et un tiers, ce sont des poires. 6 divisé par 3, ça me fait 2 kilos. 2 kilos de poires. Bien. Il reste, évidemment, 2 tiers, ou autrement dit, 4 kilos. Ils nous disent qu'un quart du reste, un quart du reste, un quart de ça, après avoir enlevé les poires, un quart de ça, donc je partage en quatre parties égales, une, deux, trois, quatre parties égales, et un quart, une des parties, ce sont des coins, coins, cette partie-là. Mais comme ici il y a 2 kilos, 2, 2, cette petite partie, c'est 1 kg. Du coup, ce qui reste, les autres fruits sont des pommes, les autres fruits. Et bien, le reste, 2 plus 1, 3, au total 6 kilos, il reste 3 kilos de pommes. Et voilà, il y a 3 kilos de pommes.